Cette vidéo mérite d'être partagée millions de fois. Je dis bien millions de fois. Les États-Unis veulent récupérer le disque dur de l'ordinateur de Huzaifa, dit Igo, en échange d'une grosse somme. Le Mali refuse de donner. D'après nos informations, toutes les positions des djihadistes terroristes sur le sol malien et dans le monde et la liste des complices et partenaires se trouve sur le disque dur. Bientôt des frappes vers la frontière algérienne, mauritanienne, guinéenne, ivoirienne, nigérienne et burkinabé. Ce sont des zones difficiles à localiser mais qui sont des cachettes. Bientôt l'AES sera libérée. Un document portant le nom de l'ancien président libyen, Mohamed Kadhafi, a été retrouvé. Le document montre que Kadhafi les finançait pour que le Mali ne soit pas attaqué. Autre document montre qu'il servait de mercenaire pour Kadhafi contre ses ennemis. Des documents de trafic de drogue, de l'or et de vente d'otages ont été retrouvés. Des plans d'attaque de Kati, Bamako et des bases militaires ont été retrouvés. Des plans d'attaque des aéroports, des régions et Bamako ont été retrouvés. Le Mali a toujours été encerclé par ses djihadistes. Des plans d'assassinat des dirigeants de l'AIS ont été retrouvés. Des plans d'attaque du Burkina Faso et du Mali ont été retrouvés. Des documents montrent qu'ils ont des grandes bases dans le désert du Mali. L'assassinat des 5 colonels était prévu. Un document portant le nom d'une mosquée de Bamako servait de lieu de recrutement entre 2007 et 2012 et était piloté par Amadou Koufa. Les informaticiens super doués du Mali ont sécurisé le disque dur. On n'a rien. Maximum de partage.